Alors souvenez-vous, Spiritfarer, pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu tout choupi, tout mignon, dans lequel on joue le rôle d'une passeuse d'âme. Donc voilà, on doit récupérer des âmes égarées entre guillemets et rendre leur chemin vers l'au-delà les plus satisfaisants. Donc il faut souscrire à tous leurs desiderata, n'est-ce pas? Et on fait tout ça sur un bateau. C'est un jeu. C'est un peu plateforme, mais c'est plus orienté craft, choses comme ça. Et donc, en fait, on doit développer son bateau, les habitations, des cuisines, des machins comme ça, pour subvenir aux besoins de nos. Comment on dit? Ils sont en train de dormir là encore? Puis il faut les réveiller, puis il faut tout ça. Oh, ils sont encore en train de dormir. Et c'est l'heure du réveil. Allez les gens, je sais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, donc au fur et à mesure, voilà, on part de rien. Là, j'ai construit. Là, il y a une scierie. Là, il y a une cuisine. Là, il y a de quoi planter des trucs. Là, il y a encore de quoi planter des trucs. Là, il y a pour tisser. Ah, voilà, là, il y a la maison de elle parce que elle veut pas être avec les prolos. Je mangerais bien un amuse-bouche. Alors, est-ce qu'on a des trucs? Parce que bien sûr, il faut faire à manger. Est-ce qu'on a un amuse-bouche? Collation. Un petit café. C'est vrai qu'elle aime bien le café. On va lui refaire après du café parce que. Tiens, prends du café. Ah merde, elle en a déjà bouffé, putain. Elle est très très chiante. On n'a pas vraiment. Ah si, popcorn, tiens, vas-y. Hop là. Il faut s'assurer qu'ils soient bien, donc il faut regarder leur humeur, leur jauge d'humeur. Putain, elle est à fond. Je peux lui faire un câlin quand même ou quoi? Ça va, merci. Ok, d'accord. Mais non, la pluie c'est bien. Là, il y a le le serpent qui nous a appris à faire de la musique pour faire pousser les plantes plus vite. Qu'est-ce qui. Ça va? Je vois que tu as pris soin de tes plantes. C'est bien. J'espère que mes enseignements t'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais c'est juste que jouer de la musique, c'est un peu long, quoi. Université de l'État de Midfield, ingénierie agricole finissante en 1971. Il est trop bien ce jeu. Ouais, et puis en plus, il est magnifique, les animations sont vraiment à tomber. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Et ouais, voilà. Et il y a plein de choses à faire. Très sympa. Et des petites upgrades à droite à gauche. Mais c'est surtout, voilà. La DA. Vous savez, moi, la DA hein, dans les jeux. Hein, voilà, quoi. Les graphismes, je m'en tape, mais la DA. C'est mon petit coup de cœur à chaque fois. Et puis, bon, les animations sont d'une incroyabilité. Regardez le petit chat qui joue comme c'est. Je les ai cramés avec du poison. D'accord, ok. Et quand... Bah c'est pas très développement durable ça monsieur. Des produits chimiques. De belles puissantes tiges. Ouais, bah c'est pas bien. Il a abandonné les pieds énormes. En être contre nature. Mais tout cela. Ah il faisait du Monsanto avant, c'est pour ça. Une maladie fantôme. Putain, c'est. Attention, hein, y a des petites morales cachées très écolo, très. Lui il est vegan en fait, le serpent, c'est marrant, il est vegan. Ce qui était inévitable que je rencontre le dragon alors. Tôt ou tard. D'accord. Le dragon c'était ses péchés, c'est ça. Et sinon au niveau de. Mais non, je veux pas. Non. Non mais. Sors de là. Pourquoi je peux. Ouais merci. Et au niveau de l'humeur, t'es comment? Ah, il est triste, merde, il a faim. Et lui, il va manger. Bah tiens, tu peux manger ça directement. Ah bah putain, tu aussi tu vas me casser les couilles. Légumes grillés, tiens. Personne à 5, la TA t'a tombé par terre. Tiens, un petit câlin aussi, ça va te faire du bien. Hop, parce qu'on peut faire, c'est un jeu où on peut faire des câlins aux gens. Et là, normalement, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, il a vu le dragon du passé, donc forcément, il a un petit peu mal. Comme le meilleur jeu indé de cette année. Hades, c'était pas un jeu indé? Oh, il y a eu tellement de jeux cette année, tu peux pas dire ça. Puis des jeux indés, il y en a eu plein. Tiens, un petit câlin. Alors t'es comment? T'es super jouasse et t'as déjà bouffé. Donc là on va en profiter pour faire un petit peu à manger peut-être. Je pourrais me faire mouiller des jours entiers. Est-ce qu'on a assez de choses pour cuisiner? On va refaire ça, c'est une bonne idée. Ça va vite en plus, on va en faire en masse. Spiritfarer a très certainement une curiosité, c'est clair. Mais oui, il est trop bien ce jeu, Johanna. En plus, je suis sûr que ça te plairait parce que c'est tout à fait ton genre. Dans Hades, on fait pas de câlins. Mais si, on fait des câlins dans Hades. Tu
vois, je fais du popcorn, j'en ai en plus, t'aimes bien. Hop là, on va peut-être refaire du café aussi, au cas où. Parce qu'on fait le café au four, hein, bien sûr, hein, je tiens à le préciser. Tout est normal. Et la tasse aussi, hein, elle apparaît comme ça en cuisson. Parce que on met les grains dans le four, et pouf, le café apparaît avec la tasse. Si vous faites pas comme ça c'est juste chez vous, c'est qu'il y a un problème. Ah tiens, on va faire des crevettes. On n'a pas cuisiné les crevettes encore. Oh putain, c'est long. On a le temps d'aller pêcher. Oh putain, ça bouge. Oh putain, ça poussait ça. Hop là. J'avais mis du lin, graines de lin. Hop là. Très bien. Et on arrose. On arrose. Puis le moment où... Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Le jeu est raccord avec toi, Frojojo. Là, il y a l'air d'avoir les carottes qui sont bonnes. C'est parfait. Et on va en replanter tout de suite. Touc. Et on rarose. Ah, il faut jouer. C'est comment on fait déjà pour jouer? C'est parce qu'il faut laisser appuyer. Ah, c'est vrai. Ça, ça sert à faire pousser les plantes plus vite, vous voyez. Putain, les journées passent tellement vite dans ce putain de jeu. Et puis bien sûr, il faut faire avancer le bateau aussi quand on a le temps. J'aurais dû faire avancer le bateau vers une destination avant de faire tout ça, je suis un peu con. Voilà, ça fait pousser un petit peu, vous voyez. Merde. Je fais jamais ça. Ça, je l'ai fait. Faut aller par où? Faut aller par là. Est-ce qu'on n'irait pas récupérer des choses? Je sais pas, il y a quoi comme mission à faire? J'ai des missions? Attendez. Rends-toi à la Villa Maggiore. Amélioration. Attends, on a plein de trucs à faire. La Villa Maggiore, mais c'est... C'est pas... Merde, le... Merde, c'est prêt! C'est en train de brûler, putain! Cocktail de crevettes, putain, c'est la classe. C'est vrai qu'on a le double... C'est pas ici la Villa Maggiore? Non? D'accord. Alors, bon. On va aller vers la zone inconnue et puis voilà, merde. Et on va y aller en passant par là. Comme ça, on va récupérer des... C'est parti. Comme ça, on va récupérer des méduses. Ah, la pluie cesse. Est-ce que ça aurait pas... Super poussé ça. Non, pas encore. Des radis. Ah merde, j'ai plus de radis. Bon, on va mettre des carottes. Hein. Mais non. Arrêtez de penser que la pluie gâche. Et ici, on fait quoi déjà? Je sais plus. Merde. Je sais pas ce que ça fait. Ah merde, il veut me parler. Oh, on a fait un truc. Sciure. Tu fais tout de travers. Ah merde, d'accord. Pourquoi? Laisse-moi te donner un coup de main. Lorsque tu coupes les bûches, je vois, tu dois t'assurer de prendre les bonnes mesures. Puis tu coupes. Merde, les méduses arrivent, putain. Ta gueule. Oui, attends. Attends, tiens. Ouais, 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 attends, attends, attends. J'ai besoin de faire ça, moi. C'est ça, ça ce qui est chiant. Quand tu fais un truc et qu'il se passe un autre truc pendant, tu peux louper des merdes. Tu vois où, toi? On fait les méduses, alors, ou pas? Ah, ça y est. Les voilà. Oh, elle est vite, celle-là, putain. Alors il suffit juste de sauter dessus, enfin dessus, dedans, quoi, on sait pas trop. Puisque c'est un jeu non violent, nous le rappelons.
C'est un jeu Twitter. Non, c'est pas vrai, Twitter c'est très violent. Ah putain, il y en avait une grosse. Enfin, il y en avait une. Et puis maintenant que j'ai le double saut. Putain, les loups. Toutes. Ah là, je commente. Voulez-vous que j'ai celle qui est tout en haut, quoi? Comment voulez-vous que je le fasse? Il y a un petit... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Bayonetta, ce passage. Expliquez-moi. Je veux comprendre pourquoi je pense à Bayonetta quand je suis là, comme ça, à faire ces trucs, là. Elle arrive ou pas? Je sais pas. Y'a des trucs comme ça dans Bayonetta? Non. Ah merde, j'ai loupé, putain, elle m'est passée en dessous, la petite salope. Père Noël va amener une carte graphique au PC. Mais non, c'est pas possible, c'est des ruptures de stock. Les cartes graphiques, on en aura pas avant février. Hein. On ne peut pas en acheter pour le moment. Et je demande pas au Père Noël, ça je me la paye. Hein. C'est du matos professionnel. Ah putain, lui aussi, il veut sa propre baraque. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Et toi, tu me disais quoi, le gros, là? Voilà. Du coup, si je recommence à faire ça... Ah, d'accord, ok, pardon. Merde. Ok, alors... blablabla, merde, ça a poussé, ça. Du coup, l'autre, il veut qu'on lui fasse un truc. Ça, on a déjà fait. Médiatiser, c'est fait aussi. Siri, fonderie. C'est la fonderie que j'ai pas fait. Et lui, il veut ça. Il faut des planches de chêne et du calcaire. Ah, j'ai presque le calcaire, mais j'ai pas les planches de chêne, quoi. Ça craint du boudin. Aller chercher des matériaux. On va manger. Ah merde, la flotte. Excusez-moi. Je vais planter des trucs. Graines de café. Quoi? Mais j'ai mieux. Ah, comme cadeau, tu veux dire, Jonas? Ah, j'ai hâte de voir, hein. Sciure. On peut cuisiner la sciure. Bah, cuisinons la sciure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Hein? Pourquoi on ferait pas ça? Il fait quoi? Ah, j'ai fait une connerie? J'ai souvent faim. C'est seulement en fait très envie. Ah, c'est vrai qu'il... Ouais. Ah, merde, il y a des casques qui arrivent. Putain, mais il est toujours en train de me parler quand il... Ta gueule! Il est casse-couille, hein, tonton, là. Tonton casse-couille. Bonsoir, Michel. J'avais pas vu que t'étais là, Michel. J'aime Twitter, pourquoi? Je vois le stream sur la TV. Attends, je vais attendre qu'on passe vraiment le truc parce que... Ah, il y a des moules, j'ai pas vu.
C'est bon, c'est bon. Allez, on avance. On va faire l'endroit. Ah putain, puis il va. Il va faire un tout noir, ta gueule. L'autre, il me disait qu'il avait faim. Mais il veut. Putain, mais je voulais te donner à manger. T'es où? Trou de balle. C'est quoi ton humeur? Ah oui, qu'il a faim, putain. Cuisine raffinée, je peux pas te filer ça, quoi. Tiens, ouais, tu me bouffes les moules. C'est bon? C'est bon. Ah, c'est l'heure de dormir. On récupère ça. Là, ça peut aller, Michou, là. Ça va bien. On se prépare à recevoir la famille. Pour quelques jours. On a tout propre notre chez nous. Avec Joanna. Et toi, Michel, comment ça va? Du charbon? Putain, faire passer de la scie au four, ça fait du charbon. Enfin, je saurai pour la prochaine fois. Plein de choses à revendre au monsieur. Je vais pêcher un petit coup. Les matières premières, c'est important. La nourriture aussi. Ah, une bouteille vide. D'accord, de la merde. Ok, bon, allez vous faire foutre. Je vais dormir. Parce qu'il faut dormir dans ce jeu. Enfin, je vais dormir machinalement, mais je sais pas ce que ça fait si on dort pas. Je n'ai pas essayé. Cody affiche pas les pubs, il met juste commercial break in progress. C'est quoi Cody? C'est un petit add-on sur ton navigateur. Oui. Il a repris le trajet. Il a repris le trajet, c'est très bien. Allez debout, bande de gros cons. Grosse flemmasse. C'est un media center. D'accord. Bon, petit chat. Bonjour petit chat. Bonjour Snake. Tu veux un câlin? Oh non, mes chakras sont... D'accord. Et ben, va te faire... Voilà. Il tourne sur Raspberry. Ah d'accord, c'est le nom que t'as donné à toi. Villa Maggiore. Ah bah voilà, bah c'est là qu'on devait aller. Bah c'est très bien. Elle va nous dire un truc. Pas ici, c'était là. Donc on y va alors. Et t'as faim quelque chose? T'es comment? T'es en super forme, c'est parfait. Un petit câlin? Allez, comme ça, ça ira encore mieux. Voilà. Profite pour te ploter discrètement. T'as assez faim? Ah oui, merde, la dalle. Bah du coup, café, tiens. En plus, ça tombe bien, c'est le matin. Elle, le popcorn et café, hein. C'est tout ce que, c'est tout ce dont elle a besoin. J'avais pas vu, il y a des moules. Des moules sur le bateau. J'aurais dû prendre les moules. On fera ça en rentrant. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, putain de merde. C'est quoi ça? Oh, passage secret. Oui. Pouk, voilà. Et on peut même aller dans l'eau. Parce que dans l'eau, c'est rigolo. Ah, attendez. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté aussi? Oui. Ah non, on peut pas. Elle est coincée, la madame. Alors, je vais déjà aller là. Si vous voulez bien. Voir ce qui se... Ah, c'est fermé ta clé. On peut rien faire. Et si je saute, là? Il n'y a rien non plus. Ah bah, c'est pas... Ah, bien sûr que si, qu'il y a quelque chose. Au moins, Xavier Dupont de Ligonnès...
Il a mis sa famille à l'abri. J'ai plus de Facebook. Depuis combien de temps ne sommes-nous pas venus ici ensemble, celle-là? On dirait que Jerry a pris soin des lieux. Il a toujours été le meilleur jardinier parmi nous. Maman n'est pas revenue à la maison depuis la mort de père. J'adore le chat qui surfe sur la boule. Ah non, mais le chat il est énorme. Il s'appelle Odile. Merde. Je suis bien plus émotif que je l'aurais cru. J'ai tant aimé cette maison. Autant que je l'ai haï, j'imagine. Écoute. Je ne crois pas que nous devrions y entrer. Bah bien sûr que si. Même avec toi. C'est que... Non, je ne peux pas. Vas-y sans moi, je t'attendrai ici. Mais oui, voici la clé. Et oh, Estella. Si tu tombes sur ma vieille boîte à musique, tu me la rapporterais-tu? Merci beaucoup. Rappelle-toi, cette maison a toujours été un vrai labyrinthe. Si tu te perds, suis la lumière. Bonne chance là-dedans, je t'attends à l'extérieur. Beaucoup de blabla. Déjà, je vais essayer de rentrer par effraction. Ah merde, je peux pas. Ok, alors avant tout, je vais réessayer la porte du jardinier parce que maintenant que j'ai une clé. J'ai faim, je vais bouffer Odile. Mais non. Il y a plein de poils. Eh bien, c'est parti. Vous avez utilisé le passe-partout. Ah, suivez la lumière. Et non, et si je vais aller par là, je suis obligé. Oh putain, je suis obligé. Ces dirigeants. Ah, y'a un. D'accord. Vas-y, rigolo! Oh, ça va, c'est pas compliqué, hein, en fait. Mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Moi, je pensais juste qu'il y aurait des. Des petits trésors cachés quelque part, mais en fait, non, quoi. Même pas. C'est dégoûtant. À quel point c'est nul. D'accord. Ah mais si, y a un truc là-bas, putain. Ok, bon, on va le trouver après. Déjà, pouc. Ah! Bonjour. C'est vous, bienvenue dans mon humble palais, petite voyageuse. Tout ce que je possède est d'une première qualité. Tout ce qui est vissé au plancher ne t'invente pas d'histoire. D'accord. On peut pas monter comme ça. Comment t'aller sur le toit? Mais oui, mais je m'en fous, je... Voilà. Et maintenant j'aurais juste si c'était possible de monter sur le. Comment on monte sur ce putain de toit de ces morts quoi? C'est pas un labyrinthe, ça va tellement pas. Est-ce qu'il y a une échelle juste à côté? Non. Attendez, attendez, attendez. Maintenant que je sais qu'il y a des échelles cachées, je vais, hein, je vais tout faire. Putain, mais trop pas. Comment peut-on t'aller sur ce toit? J'aime bien le bruit qu'elle fait côté. Je me la mets derrière l'oreille et puis je la fumerai plus tard, quoi. J'imagine. Bonsoir, le jauge. Enfin, bonjour. Bonsoir, bonjour, Kimi. Bonjour, Electropunch. Il y a plein de monde qui sont arrivés là d'un coup, là. J'ai pas vu. Est-ce que ce jeu. Est-ce que c'est un jeu qui se spoil en le regardant? Je peux pas trop te dire aujourd'hui. Après un volet, les morts. Les morts riches avec Jeanonymous. J'aurais dit les riches morts, moi.
J'ai trouvé ta boîte. Peux-tu me la donner? Enfin, oui. Retour vers le passé. Tiens, mieux qu'une DeLorean. Alors, t'es né où? D'accord, c'est quoi? Donner. Tiens, Attends, on peut donner des trucs maintenant. Boîte à musique. Je peux lui donner ça aussi? Je vais lui donner des huîtres. Non, on va y aller. Merci, je vais regarder précieusement. Oh, tu as trouvé autre chose? Le vieux manuel d'une Golden Royale. Tu te rappelles? Ça a été une fois le premier prix de la tombola annuelle en ville. Je rêvais de cette machine à coudre depuis la deuxième année. Mes pères ne me laissaient jamais jouer la loterie. Ah, quel enfoiré, celui-là. Ce manuel pourrait être utile. Tu peux utiliser pour améliorer ton métier à tisser. Retournons sur le bateau et oublions l'existence de ce lien. Bah non, parce que... Oh non, 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 mais attends, 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 t'es pas bien, là. Toi, t'es pas bien. Ah, merde. Et bah reste pas bien. Ah, je veux aller sur le toit. Je peux l'ouvrir maintenant ici ou pas? Putain, nique-toi. Bon bah faudra revenir j'imagine. C'est comme Golden Shower mais avec quelques agréments. Allez viens. En route. Oui. Stella, je... Non peu importe, la nostalgie c'est pas mon fort. Malgré tout je suis contente de que la villa soit encore en bon état. L'est-elle vraiment? Ok, changeons de sujet. Tu dois avoir remarqué l'onglet ameublement de la table à dessin. En y accédant, tu pourras ajouter des éléments décoratifs aux maisons, des esprits et aux stations. C'est le moment d'améliorer ton métier à tisser. Lorsque tu auras les ressources nécessaires, fais-le! C'est la seule façon de fabriquer du tissu à fil à partir de fil. Vas-y! Bordel de merde! N'a pas que ça à foutre, Stella, dépêche-toi! Hein? C'est pas comme si j'étais mort. Te. Nouveau. Et il faut aller ici? Il y a quoi là? Champ de grumu. Ouais, mais du coup. Ah, il y a Francis le marchand là, putain. Bon, on va aller voir Francis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu me connais? Une petite collègue. Oui, t'es bon, d'accord. Je veux bien, mais si tu te barres pas juste après. Alors, t'as juste faim? Petite collation. Tiens, des moules, tiens. Autre. Casse tes couilles. Qu'est-ce que je peux lui donner? Tiens, du popcorn. Ah merde, oh merde, non, ça le fait déprimer. Merci pour le garder correct, rien de spécial, ça me rappelle ma première cuisine. Ah, oh, ta gueule, allez, je m'en fous, ta gueule. Il était pas content, il aime pas le popcorn. Hein. Améliorer la cuisine, d'accord, putain. Ah mais les gens, tiens, je te fais un câlin, ça ira mieux. Ça, tu me casseras pas les couilles. 42 kilos de coco, pas loin de chez vous, voilà découvert. Fichez le camp, les flics en vos trousses. Mais il a quoi, il a encore faim? Putain, lui aussi, il a besoin de sa maison. Pff, oh, les gens. De la drogue dans Popol. Cache la drogue dans Popol. Direction le Mexique. Merde, merde. Ah, c'est le vrai. Une nouvelle course, je dis un oeil, d'accord, très bien. Alors, avant tout, chose devrait être vendue. Tiens,
devrait être vendu. Tiens, devrait être vendu. Tiens, tiens. Tiens. Et tiens. Le reste, désolé, mais j'en ai besoin, monsieur. Ah, j'ai une, d'accord. Alors, course. Sol, calamar. Saumon, sokai. D'accord. Putain, tellement de choses à faire, je sais pas si... Je vais prendre une graine étrange. Une seule, mais putain, mais j'ai pas de sol, moi. Y'a pas de sol. Pépé, y'a pas de sol. On va cuisiner 2-3 trucs. Je vais remettre un petit peu de saumon. De saumon. Pourquoi non, c'est pas du saumon. Mais on s'en fout. Voilà. Presque. Planche d'érable, super. Alors attendez. Parce que... Merde, qu'est-ce qu'il me veut? Petite, oui, bah 2 secondes. Mais je sais que chacun veut sa maison. 2 minutes, les gars. Lui, il est chiant. Tonton, il est très chiant. En fait, Jonathan News, Jonas Park et Popolo, c'est Jesse James Mews. Et tu oublies Popoline. On va jamais y arriver. Toutes ces merdes. Ah, il faut que je plante le truc, ma boule, là. Truc. Bonsoir Pierre, enfin bonjour Pierre, j'avais pas vu que t'étais là. Popoline, c'est cul but, ok. Merde, ça aussi ça a poussé. Bon, j'ai le café. J'ai les grandes cafés. Je vais pêcher un petit peu. Ah, une dernière fois. Écoute, je dois te parler de Doug. Il m'a appelé la nuit où père est mort. Maman était encore dans l'avion, il ne pouvait parler à personne d'autre, il était poli, bien articulé. Mais oui, mais va te coucher si tu veux, mon petit chat. Nous avons discuté une bonne heure et il a pleuré que 2 fois. Ça ne m'a pas frappé. Vraiment, il chiote, elle aussi. Il était dans un bar, ce qui était étrange pour un comptable. Il m'a raconté que père lui a dit qu'il m'aimait juste avant de mourir. Nous ne sommes jamais reparlés. Et j'imagine que tu vas aller te coucher comme ça. Ah, tu as faim. Tiens, mange du popcorn. Ah oui, de la fibre, tiens, donne-moi le... Oui. Et voilà, merci. Un petit câlin. Non. Allez, va te coucher, va. Parce que tu vas encore faire chier toute la journée. Merde. Chier. Les comptables sont sur OnlyFans. Popoline a la personnalité de sa doubleuse. Mais les popoles sont pas doublés. C'est quoi vos histoires? Tiens, je sais pas ce que je pêche, mais je le pêche. Une seule. Au sol et mio. Popol est la face cachée de Jeannot, mais j'ai pas de face cachée, moi. Ah, oh, une bouteille de petite lueur. Et il me manque quoi, là? Oh, putain, mais ça pousse vite, ces merdes. Il me manque quoi pour... Merde, je tombe. Oui, je... Oh, ton carotte. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que... Je vais faire cuire un autre truc, tiens, pendant que je fais ça... Ah bah non, pas la sole parce qu'il faut les radis, tiens. Hop, on va faire cuire les radis. Hop. Il manque saumon sokai. D'accord.
Je vais couper un peu de bois. Parce que le travail ne s'arrête jamais. Perfect. Putain, c'est long. Puis avec tout ça, moi je vais pas pouvoir dormir. Allez, dépêche-toi. C'est long. J'ai pas tout mon temps, moi, monsieur le four. Dormir, c'est pour les faibles. Oui, mais non. Tu n'arrives pas à dormir, Pierre. Et ça va mieux ton estomac, au fait. Les fesses cachées, déjà. Merde. Ah, je suis désolé. Ah, j'espère que tu as quand même passé les fêtes en meilleur état. J'attends les examens en janvier. Oui, c'est vrai que c'est qu'en janvier. Ouais. Mais justement, en attendant les examens, j'espère quand même que... Tu pourras passer quand même quelques fêtes sympathiques. Et toi non plus, ça s'arrange pas, Michel, bah putain. Mais les gars, quoi. Alors, améliorer. On va peut-être améliorer la cuisine. Je sais pas ce qu'il faut. Il faut du tissu de lin. Pour améliorer ça. On peut pas l'améliorer. Et pour améliorer ça. Oh. D'accord. On peut améliorer ça aussi. D'accord. On peut améliorer ça aussi. Je sais vraiment pas ce qu'il faut. Mais il faut tellement farmer de ouf quoi. Putain. Bonjour celle-là. Ah quoi, tu veux encore. Putain, mais foutez-moi la paix. Oui, j'arrive quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Et Macmillan's. Chad voulait toujours que je sorte avec lui. Non, je vais essayer de le faire en cricket. Chad voulait toujours que je... Merci, merci pour le sub, Pierre. Pour avoir transformé ton abonnement Prime en abonnement de niveau 1. Waouh. On peut transformer ses abonnements, je sais pas du tout. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Chad voulait toujours que je sorte avec lui et ses amis. Mais je ne leur ai jamais fait confiance. Ce sont des connards. Je ne prends pas ce mot à la légère, Brett. Ouais, merci pour le subprime, ça fait plaisir. Ouh. Ah oui, d'accord. C'est d'accord. Mais il s'est passé deux choses, c'est la même chose en fait. Bah, merci beaucoup pour le deuxième mois, Pierre. Et c'est tout, aller à fond sinon. Ok. Ouais, donne-moi de la... Ouais, parce qu'il faut que je... Il faut que je fasse du... Attends, déjà, il faut qu'on mette une destination, s'il vous plaît. Bah, on va aller là, hein, puisque... Et là, c'est nouveau. On va peut-être aller là. Mine de... Ah, des mines, ouais, ça peut être intéressant, ouais. Allons aux mines. On va tisser du... Ah, putain, c'est déjà prêt, ça. Ça va trop vite. Merci pour ta générosité. Qu'est-ce qu'il a, lui? Petite collation, j'ai assez faim, d'accord. Tiens, j'ai un truc pour toi. C'est des radis, tu vas kiffer. Des pop-corn, alors? Tout le monde m'a bouffé des pop-corn. Tiens.
Ok. Merde, il est triste aussi, putain. La fin, besoin d'une maison, mais putain. Ah tiens, reprends des moules. Putain, faut vraiment que je leur fasse à bouffer plus, quoi. On va cuisiner, tiens, les crevettes. J'ai quoi d'autre? Ah, on a des carottes. Il y a plein de carottes et il faut que je les cuisine. Hop là. En attendant, on va tisser. Gameplay un peu chiant. C'est que des boutons appuyés, mais c'est. Enfin, je sais pas, c'est. Dans les menus, en fait, le reproche que j'aurais à ce jeu, c'est que dans les menus, c'est pas instinctif. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi faut appuyer sur. C'est. Je sais pas. Mais un truc, je trouve, c'est pas. Elle devrait te mettre plutôt. A pour charger le tissé et après que ça se transforme en Y pour voilà. Parce que là j'appuie sur A pour charger le tissé, sur X pardon, et après j'appuie sur Y. Ça porte vraiment en confusion. Plus que 4 jours avant la vidéo sur My Little Pony, ce qui nous rend 100% 10% couleur. Hop là, on profite aussi pour faire ça. On est arrivé à la destination. Ah non, pas encore, putain. On a du chemin. Vous avez vu, je fais bien le. Moi, je suis heureux que Jeanonymous nous écoute. Bon, qu'est-ce qu'elle a elle? J'ai ce drôle de. J'ai assez faim. Tiens, bois du café, fais pas chier. Ok. Ensuite, j'en suis où au niveau des matériaux? Toujours pas assez. Ah, c'est des planches de chêne qu'il faut. Ah ouais, mais. Ah merde, on est dans les glaciers, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu. Ça avance plus? On est coincé? Merde. Cuisinons autre chose. Un petit, on va cuisiner un peu de fruits. Un peu de fruits au four, ça fera du bien. Merde. D'accord. Bon, bah, d'accord. Ok, bon, bah, allons ailleurs, alors. Ah, qu'est-ce qu'il a, lui? Non, il est bien. Bah alors, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, il y a une bordure. Bah allons là, là. Putain, c'est loin en plus. On va peut-être passer par les nuages. Oh, tant pis. Blablabla. Ah, de l'eau. Paul dans Smash, mais tellement il faut. On est tous d'accord là-dessus. Mais bon. Vous savez quand même que pour la vidéo sur Street Fighter, j'ai eu ce projet fou de faire. De faire vite fait un petit jeu Mugen. Avec les personnages de Popol, moi, Vled, Asserment d'Ax. Pour faire un mini sketch. Mais bon. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. On va faire un peu de popcorn, allez c'est parti. Hop, ça va vite en plus. Quand j'ai vu le boulot que c'était de faire des sprites et tout ça, je fais... Nique ta mère! Popol dans Popoline. Et pourquoi pas l'inverse? Hein? Tout de suite.
Café, c'est toujours bien. Est-ce qu'on va faire des moules aussi? Tiens, on fait des moules. Du poisson, des moules, des bûches. On peut faire de la sciure, c'est avec des bûches. On va refaire du poisson. C'est toujours bien le poisson, puis ça prend du temps. Comme ça, on peut faire des choses. Comme arroser les plantes et récupérer les moules qui sont sur le bateau. Bonne fin de journée la race et puis joyeuse fête n'est-ce pas? Attention, j'en ai derrière toi, c'est affreux. Ouh, bienvenue El Bouffono 16. Merci pour le follower. Une crevette nordique. Rends-toi dans ton jardin, Jeronimus, ça poussera plus vite avec un peu de foutrine. Ça nous fera des beaux foutriers pour ce printemps. Ah merde, j'ai pas vu. Ah, on arrive en plus. Je peux pêcher avant qu'on arrive ou... Putain, c'est une sole ça. Je reconnais parce que ma canne à pêche elle devient rouge tout de suite. Vite! On va pouvoir en cuisiner une. Ah non, mais attends! Ça brûle! Champ de gurée nu. Oui, très bien, mais ta gueule. Au secours! Ah. Et si je mets un truc à... Ouais, non. J'ai toujours peur que ça brûle et que ça me détruise ma cuisine. Je sais pas si c'est possible ou si le plat sera raté ou je sais pas quoi. Regarde, et va voir Gurunu. Oh, visiteur, venez d'ailleurs, bienvenue. Es-tu ici pour les renommées visites Furugawa? Bien sûr, puisque tu as notre brochure en main. La visite est sur le point de débuter. Elle est d'une durée d'environ 5 minutes et traite de l'histoire de la flore et de l'île. Après, tu pourras tout raconter à tes amis. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de boutique souvenir à la fin de la visite. Prête? Non. Oh, je comprends. Moi, je veux y aller de mon propre chef. Pour voir qu'est-ce qu'il y a. Waouh, des champignons. Oh, un arbre à abattre. Signons du jambon avec le petit chat. C'est du chêne, allez. Bûche de chêne. C'est exactement ce qu'il me faut, bordel de merde. Putain, un gros mouton de sa mère, quoi. Ah, ça, j'en ai besoin. Des fraises! Ben, allons-y, faisons la visite avant que ça... Avant que la nuit tombe. Si c'est toxique... Ah! Des champignons. On va mijoter des bons petits plats, moi je vous le dis. C'est mal barré pour la visite avant la nuit. Ah merde, ça y est, il fait nuit. C'est possible encore ou pas? Les gens préfèrent les attractions des grandes villes. Ici, c'est paisible et silencieux. Tu remarqueras ici la faune, les rizières et les forêts luxuriantes sont les attractions principales. Continuons. Ah d'accord, on va vraiment le faire. Je pourrais le dormir quand même après. Tasse-toi, s'il te plaît. Voilà, par ici.
Production de riz est assez incroyable. Attends, j'aurais dû faire... je pensais que ce serait autre chose. Les travailleurs moissonnent toute la journée pour produire. Bien sûr. En ce moment, il n'y a personne. Je suis pas certain de savoir pourquoi. Je joue dans les rizières parfois quand j'ai congé. Mais c'est hors propos. Dirigeons-nous vers le prochain arrêt. Allez, tassons-nous. Bah, tassons-nous. Je vais verser la forêt de mon cul. N'approche pas trop. Oh, il a peur. Tu peux ressentir l'humidité. Je veux dire, la ressentir vraiment. Cette forêt de chênes me touche droit au cœur. Nous sommes liés, une connexion étrange. Je saute habituellement cette partie de la visite pour être honnête. Ce serait bien si nous continuions. Eh bien, c'est parti. Je t'attends. Cet arbre de la bonne fortune est la pièce de résistance de l'île. Nous ne savons pas quand il a été planté. Des gens de partout dans le monde voyagent pour venir et laisser les petits messages. Et oui, mais faut bientôt que j'aille au dodo, d'accord. Ça conclut notre visite. C'est très bien. Allez, tiens. Ah putain, la newsletter, bordel de merde. Il m'a inscrit à la newsletter. Pardon. Je vais me faire spam de sa merde. Chier. Chier la bite. Bonjour. Désolé, mais faut que j'aille dodo. Attention, j'en ai derrière toi, c'est affreux. Bienvenue, Thermal, merci pour... Ah, tiens, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Ah oui, vas-y, vas-y. Balance, balance, balance. T'es bien? Ouais, ouais, bah le reste, on fait ce qu'on peut, hein. Allez, tout le monde au lit, là, qu'est-ce que vous foutez encore Thermal, tu perds les os. Oh, Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Pierre. Et là, du coup, j'ai du bois de chêne, donc il faudra que je scie le bois de chêne. Mais d'abord, dodo... Quelle heure il est? Est-ce que j'ai encore du temps devant moi? Oh putain. 20 minutes les gens. Dans 20 minutes j'arrête tout. Dans 20 minutes j'arrête tout. On ne se revoit plus avant lundi. Attention. Prenez votre dose. C'est maintenant. Du coup, je vais rester là parce que je vais aller. Debout les glandus! Guerre synthétique. Bonjour, Stella. Je m'en vais ramasser les carottes. Et un replanté, et un replanté, et après j'arrose en pissant dessus. De la janonitrine en intraveineuse pour shoot quotidien. Bonjour petit chat. Bonjour. Oui, j'ai fait des succulents radis. Tiens. Tiens, un petit câlin. Non, t'as pas. D'accord. Bah, va te faire bien mettre. Je voulais faire du bois de chêne, allons faire du bois de chêne, hop là. Oula. Oh, c'était compliqué ça, dis donc. Oui. On va la refaire. Ah, le bois de chêne, il faut le mériter. Hein. Je vais faire mettre un truc à bouffer.
Ah tiens, une crevette nantie. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Non, 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 non. Parce que j'en ai qu'une. On va faire plutôt des trucs. Oh, des fraises. On va faire des fraises, j'en ai deux. Et un champignon aussi. Des fraises, des bonnes fraises au four. Mmh. D'ailleurs, j'ai vu ta vidéo de MLP en avant-première. Elle est top. Ça suffit! Vous avez fait marrer de... de faire croire à ça. Ah merde. Il y a un pauvre malheureux sur Twitter qui vous a cru. Hein. Bah oui, allez. Fous-moi la paix maintenant. Non. Si on améliore ou on fait quoi? Non, y'a pas besoin. Hop. On peut améliorer ça. Tissu de lin. Putain, on peut pas améliorer la cuisine. Ah! Pourtant, mon poste est peut-être pas crédible. Mais si, Pierre. Petit Michel, tu es toujours très crédible dans tes postes. Non, mais comme a fait remarquer Jonas, c'est parce que j'ai répondu. Il aurait pas fallu que je réponde. Il aurait fallu que je ne réponde pas plutôt, c'est plus français. On aime bien le français ici. Alors, est-ce qu'on peut faire sa maison de merde? Non. Est-ce qu'on peut... Non. D'accord. Est-ce qu'il faut des planches de chêne? Encore deux et encore un calcaire, putain. Ah bah presque... Putain, il faut que je refasse des planches d'érable. Allez, c'est parti pour les planches d'érable. Ah, t'as faim, toi. Oui, bah deux secondes, putain, mais il nique ta mère. Ah, faim. Tiens, du poisson. Et un câlin. Ah là là, ce qu'il faut pas faire. Tant que tu viens pas me parler après pendant 3 heures, y'a pas de soucis. Alors, des planches d'érable, je sais pas si j'en aurai assez. Fois 3. Hmm. Ou faire des perfects, mais c'est pas évident. Ah, ça va. Oula! Totoro, alors attends. J'ai pas vraiment le temps de lire tout ça. Je te suis depuis un moment sur YouTube et je te découvre sur Twitch aujourd'hui. J'en profite pour te remercier pour tout le boulot que tu as bas et te demander si tu as déjà pensé à te rapprocher d'un labo qui étudierait les médias et les mêmes internets en particulier. Alors merci beaucoup hein, pour tous ces compliments. Et puis bienvenue aussi hein, sur Twitch. Enfin sur la chaîne Twitch. Et non, je n'ai pas pensé à faire ceci. Je sais qu'il est arrivé que des étudiants ou des journalistes ou des gens comme ça me demandent de l'aide ou mes lumières, mais bon, je ne suis pas expert, hein, malheureusement. Je fais juste des recherches quand j'ai besoin sur un sujet. Et la plupart du temps, je réponds très tard aux demandes parce que la plupart de ces demandes se font via Facebook et Facebook, je n'y fous quasiment jamais les pieds. Donc voilà. Et puis j'avais eu pas mal de ce genre de demandes aussi pendant les années où, j'étais très occupé IRL et où je ne m'occupais plus trop de tout ce qui était la chaîne YouTube et tout ça. Donc voilà. Et ça peut arriver, mais dans ce cas-là, je réponds mieux, mais c'est compliqué. Ouh, yes. Il a l'air normal, les gars, quoi. C'est pas Paul qui stoppe tout le boulot, tu sais. Je suis doctorant. Pas dans le même endroit, mais franchement, tes recherches pourraient donner lieu à des publications. C'est assez précieux comme... Oula. Oula, 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 oula. Oula. Ben, je l'ai fait en vidéo, quoi. Je publie pas, mais je fais des vidéos. C'est pour moi, je fais des archives en vidéo, quoi, en fait.
Après, je pense pas que ce soit encore un domaine suffisamment pris au sérieux. Quoi. Enfin, puis j'ai pas. Enfin, j'ai pas. Je suis pas du tout dans ce genre de milieu, étudiant, doctorant, recherche, tout ça. Je suis pas du tout là-dedans. Hein. J'ai pas de contact ni rien. Je suis pas. Enfin, c'est pas du tout mon univers. Donc, je ne pense pas faire ça, non. J'aurais passé ma journée à scier du bois, putain. Bon, j'ai assez là maintenant. Hein. Faites pas chier, j'ai assez. Alors, là, est-ce qu'on peut faire autre chose que ça? Non, je peux. Il y a toujours que ça. D'accord. Il faudrait peut-être améliorer ça pour que je puisse faire autre chose et que du coup je puisse. Calcaire. Allez, on va aller construire ça. Oh, mais c'est énorme! Mais je mets ça où, moi? Putain. Oh, les gars, sérieusement, quoi. Bon, va falloir mettre ça là, mais du coup, il va falloir. Ah, bah non, je peux pas. Faudrait mettre ça là, mais. Oh, du coup, je peux pas. Enfin, agrandir le bateau à cause de vos conneries, là. J'ai fait tout ça, on est d'accord, ouais. Ah, je me gourre de boutons, fais chier. Ça, c'est pour tisser rapidement. Fais rien. Plein potentiel du bon goût. Bon, on essaie de faire ça. On va voir ce que ça fait. J'espère que... Oui, petite. Tu as faim? Pourquoi tu ne pêches plus? Putain, c'est très apaisant, tu dis. Ils me bourrent le cul, tous ces gens. Ah, c'est un hareng. Le métier à tisser est maintenant fonctionnel, bien sûr. Plusieurs stations peuvent être améliorées. Ça, je crois qu'il est temps que tu apprennes des techniques de tissage avancées où ça existe. C'est une amélioration que tu pourrais faire avec la machine en elle-même. Tout dépend, hein. Oui, 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 oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à ta faim? Non, je sais. Putain, je sais. Putain, ces gens qui me stressent. Tu peux pas les pousser dans l'eau et te barrer. Ah, et puis lui il dit rien, mais lui il demande jamais rien, mais en fait il meurt de faim en silence en fait. Donc il faut que j'aille le voir, parce que c'est ce genre de personne, hein, qui reste dans un coin jusqu'à ce que, voilà. Puis oh non, ne fais pas attention à moi, et puis après voilà. Il est méga triste. Tiens, je sais que t'as besoin d'une maison, mais deux secondes. Et tu vas me bouffer, tiens, des radis. Ah d'accord, t'as pas faim. Bah, nique ta mère alors. Nique bien ta mère. Ah ah! Regarde ça! Tout naturellement, hein, pas surpris. Hein, c'est très bien, très bien. Chut, ta gueule. Je m'en bats les couilles. Super. On va en faire quelques-uns. Parce que j'ai besoin de ça. Ce serait chouette que tu reviennes sur les définitions des mèmes que tu donnais dans les premiers épisodes, genre faire des exemples que tu as donné depuis quelques années et proposer une réponse. Qu'est-ce qu'un mème après? Ah non, 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 mais attends. La vidéo sur explicative de ce que sont les mèmes, encore une fois, je le dis souvent, elle est en préparation de longue date, mais c'est un énorme boulot et j'ai des choses à faire avant. Quoi. Mais elle est en préparation, quoi. J'aurais dû la sortir beaucoup plus tôt, quoi, mais c'est trop de... C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. J'ai lu pas mal de bouquins et tout. En fait, j'ai 40 pages de prise de notes que je dois synthétiser, quoi, pour faire un épisode. Donc j'ai pas le temps de faire ça dans l'immédiat, donc...
Ce sera vraiment le casquin même, je l'expliquerai quoi, mais ce sera pas tout de suite. Mais c'est prévu, hein, c'est prévu bien entendu. Putain, la journée est déjà finie. Donc du coup, je peux améliorer la cuisine maintenant. Yes. Débloque le plein de bon goût. Ça, je peux pas. Il faut quoi pour ça? Tissu de lin encore, d'accord. Flamboyante, je sais pas ce que c'est. On peut... Et... il faut que je construise une fonderie, putain de merde. D'accord. Il me faut quoi? Du charbon. Putain, j'ai pas de charbon. Et pour ça, il me manque du calcaire, on n'a pas. Et ça, je peux lui... Bon, voilà, je vais faire ça. Oui, bah deux secondes. Putain, tout le monde veut me parler maintenant. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Écoute, je suis très reconnaissant parce que tu as permis de demeurer une si belle cabine, mais je dois admettre qu'elle est... Oui, d'accord. Le cul. Est-ce que je peux faire ça tout de suite avant qu'ils aillent dormir ou quoi? J'ai pas assez hein, pour améliorer ces trucs. Non, c'est ce que j'allais faire, madame. Alors, tu vas patienter ta mère. Et voilà. Beaucoup trop cool, j'attends ça avec impatience. Bah, beaucoup de gens, oui. En fait, je voulais le faire l'année suivante, l'ouverture de la chaîne, mais j'ai eu beaucoup de problèmes et tout. Et après, je m'y suis remis quelques années plus tard. Et c'était beaucoup de... De soucis aussi, donc enfin voilà, ça a été compliqué. Et tout ça, j'ai expliqué déjà à maintes reprises. Désolé si je ne m'attarde pas sur le sujet. Ce n'est pas contre toi, bien évidemment. Améliorer, voilà, maintenant je peux te l'améliorer, ton truc de merde. Ah non, c'est du tissu de lin. Ah, c'est pas du lin que j'ai? Attends. Ce que j'ai là. Merde. Comment on va? Ah, merci. Il est où le tissu? Bah, c'est du tissu de lin. Il m'en manque encore. D'accord. Ok. Très bien. Oh là là, j'ai assez. J'ai vu ta FAQ. Ça n'a pas dû être simple. Force et honneur. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Effectivement, ça n'était pas simple. Tiens, voilà, comme ça, t'es contente et tu fais pas chier. Ensuite, il faudrait, du coup, comment qu'on va faire? Je vais, ouais, je vais mettre. Non, je vais pas améliorer en fait. Je vais déplacer, voilà, modifier. Je vais mettre ça comme ça. Là. Et là, je peux peut-être lui mettre son truc de merde. Ah non, putain, c'est tellement... Oh, c'est tellement mastoc, ce truc, à la con. Il prend vraiment de la place. Hein. Ou alors, je le mets en dessous, là. Je vais le mettre en dessous, là. Je vais tout déplacer. Donc, je vais remettre comme j'avais mis. Comme ça. Ça devient n'importe quoi, ce bateau. Oh. Ouh. Et il manque plus que ça. Et pour ça, il me manque du calcaire. Ça roule. Je peux aller dormir maintenant? Putain. Ah, j'ai envie de pisser. Ah! Il est 17h04. C'est la fin. J'ai l'impression d'avoir rien fait pendant ce... Chez Dodo, mon petit frère. J'ai l'impression d'avoir pas fait grand chose. Hein. Mais bon, comme d'hab dans ce jeu, hein, voilà, c'est un jeu qui se déroule dans la longueur. Ah, sur la longueur, pardon. Huit. Oh, regarde ce qui se passe autour. Ah bon, allez, d'accord. Prochainement,
On fera le tour de tout ça. Et il y a Francis et le marche. Oula, plein de messages qui arrivent. Ok. Ok, ok. Si sauvegarder et quitter, c'est là. Très bien.